sur 5 zones plus à risque de la commune, on a placé des barrages constitués de gros sacs contenant chaque sac contient 1 m3, soit 1,3 tonnes environ de sable. Une équipe va être prête à intervenir à tout moment avec des véhicules adaptés, des réserves aussi de sable s'il faut renforcer les défenses. Et une cellule de crise également sera prête à coordonner appel et puis réponse à apporter donc aux situations qui pourraient se rencontrer.